Ouais, le malade imaginaire, je me souviens, j'ai utilisé ça au cégep, enfin étudié. J'avais lu un résumé, je me rappelle, j'ai le prof Tremblay, professeur Tremblay, on l'appelait Trotsky, lui. Avec lui, tout virait à la dialectique. Vous avez parlé de la dialectique dans le malade imaginaire de Molière. Je ne me souviens plus comment ce qui virait ça. Molière était un représentant des classes dominantes. Puis, c'était épouvantable ce qu'il nous parlait de Molière. Les temps avaient changé, mais il ne nous a pas parlé dans ce temps-là de. C'était pas la mode de parler de l'empreinte carbone comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit bien que le malade imaginaire, la société n'est pas un malade imaginaire. Quand on voit, par exemple, dans une pièce de théâtre, quand on résume l'empreinte carbone, hein, l'empreinte carbone du décor, des costumes, des acteurs, ça consomme ça, là. Ça laisse une empreinte carbone, mais le pire, c'est pas ça. On voit bien aujourd'hui que le pire, c'est les gens qui viennent en auto pour regarder la pièce de théâtre. Il faut que ça s'ajoute à l'empreinte carbone. Quand on compte tout ça, là, ma génération, on réalise bien qu'on devrait même plus présenter du théâtre. Théâtre classique, si vous voulez, puis Molière, si vous voulez. Mais c'est une vraie honte. L'empreinte carbone que laisse une pièce de théâtre. Aïe, aïe. Mais pour dire pareil, hein, autre temps, autre époque.